Bonjour à tous, c'est Dice Roller et vous êtes sur Dice Roller TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la quête numéro 1 de la campagne de Warhammer Quest, le jeu de cartes d'aventure. Vous allez voir dans cette vidéo tous les derniers tours, du 7 jusqu'au numéro 12, et on verra donc la conclusion de cette première quête. Bonne vidéo à tous. Le combat contre Gyalkir, le nain baiser de fer et Odius Grun fait rage. D'une voix gutturale, le prêtre guerrier Lucius invoque Sigmar et parvient ainsi à protéger son compagnon et à se régénérer. Il se débarrasse ensuite des Skaven et de la nuée d'Aura qui lui barre la route. Puis il utilise le livre interdit. Un flash envahit son esprit d'un trait, lui permettant de voir quelle direction prendre dans les égouts, au prix d'une douleur profonde dans les tempes. Armé de cette vision soudaine, il part en courant vers l'avant, et s'assure que le chemin est le bon. Gyalkir, toujours en proie au combat contre Odius Grun, lui inflige une frappe sévère, forçant ce dernier à prendre la fuite. Il disparaît dans une ombre des couloirs humides, comme à son habitude. Les héros traversent alors les égouts complètement et arrivent dans une salle remplie de trésors. Les chauves-souris prennent leur envol à leur apparition, accompagnée d'une araignée géante semblant garder des trésors amassés derrière elle. Au loin, un gobelin charge Lucius, déjà en proie au combat contre les chauves-souris. Puis, Odius Grun surgit à nouveau des ombres et charge le groupe dans un rire démoniaque. Il aura certainement utilisé un passage dissimulé dans les égouts pour rejoindre la salle au trésor. Gyalkir tente de repérer les dimensions de la salle malgré la présence de l'araignée géante juste devant lui. Celle-ci le griffe pendant que le nain regarde aux alentours, mais sa vivacité lui permet de parer l'attaque avec son bouclier. Lucius attaque les ennemis qui lui font face et, dans une parade magistrale, évite tous les coups de la horde qui se tient devant lui. Les chauves-souris périssent sous ses bras. Odius Grun arrive en trombe, il frappe Lucius et continue sa charge sur Gyalkir, visiblement plus affaibli que son ami. Un orc apparaît dans l'ombre, et lui aussi charge Gyalkir. Le combat s'intensifie pour nos héros. On passe donc au tour suivant, et on change le party leader. Que va faire le prêtre guerrier? Il va commencer par régénérer ses actions. Là, il n'y a pas trop le choix, donc c'est de la... Il va faire son action de régénération. Il va faire ça, donc il se régénère d'un dé. Il fait un succès, donc on enlève une blessure. Ensuite, il rend empowered son ami. Et il rend toutes ses actions disponibles. Voilà pour sa première action. Ensuite, première action du nain, qui ne sera donc pas engagé. Il attaque. Il attaque, et là, il va tenter de cartonner. Donc, il va dépenser ses deux pions bonus de base. Il a donc plus un bouclier et plus un succès grâce au fait qu'il est empowered. Il prend 2 dés d'attaque. Et on prend donc 2 dés noirs. Les deux ennemis touchent. Et lui, il obtient 3 succès et un bouclier. 3 succès plus 2, 5. Plus son bonus d'Empowered, 6 dégâts. Il a 6 dégâts à infliger. Avec 3 dégâts, il tue l'orc, puisqu'il y a un bouclier et 2 points de vie. Donc ça lui coûte 3 dégâts. Et il reste 3 dégâts à assigner. Alors, il ne faut pas que je le discarde trop vite. Il y a donc 3 dégâts sur lui, donc lui, il sera mort. Et il en reste 3, 3 moins 1, 2. Il y a 2 blessures ici. Ensuite, les ennemis frappent. Donc, 2 blessures ici, qui sont discardées par un bouclier là, plus un bouclier du Empowered. Donc là, on peut maintenant le tuer. Et enfin, 2 blessures de Odious Grump. On passe à 12 blessures ici, il va falloir le régénérer rapidement. Voilà pour cette première action du nain. Ça va, il ne reste plus que 2 ennemis. Maintenant, le prêtre, lui, justement, il va explorer. Là, il faut qu'on pense à explorer, hein, c'est quand même le but de la quête, c'est pas non plus tuer tout le monde. Donc, on explore, on a 2 dés, on n'a pas d'ennemis en face de nous, et on obtient 2 succès, on passe donc à 5 sur l'exploration. Il nous manque plus que 3 points pour passer au suivant. Ensuite, on pioche une carte donjon et on peut donner un pion bonus au héros de notre choix. Et je vais le donner
à l'attaque du nain. Le nain, il va frapper et frapper encore. On pioche maintenant une carte donjon grâce à l'exploration qu'on vient de faire. Et on trouve la bonne fortune. La pièce de Ranald a deux faces. Aujourd'hui, apparemment, c'est ton jour de chance. Soit vous prenez deux pions bonus, soit vous régénérez deux blessures. Eh ben, je vais pas me priver de deux pions bonus. Le prêtre guerrier n'a pas beaucoup de blessures, donc on va prendre deux pions bonus, qu'on va mettre un sur l'exploration et un sur l'attaque. On passe maintenant à la deuxième action de notre Ironbreaker, et il attaque à nouveau Odius Grump qui est en face de lui. Il dépense un pion bonus, et on jette donc 2 dés, plus un dé noir pour Odius Grump. Odius Grump touche. Par contre, là, on a fait un succès critique. Donc on rejette ce dé. Et on a fait un autre succès. On a donc 4 touches qu'on inflige. Et Odius Grump nous inflige 1 dégât, puisqu'on a un bouclier ici. Ça, c'était sur 3. Voilà, 1. Et nous, on inflige 4 blessures. Il a un bouclier, il perd donc 3 points. Donc on lui rajoute 3 blessures. Il n'a plus que 1 point de vie. Il n'a plus que 1 point de vie. On a réglé tout ça. On a terminé les deux tours d'action des héros. On passe donc aux ennemis. Alors, les ennemis, à commencer par le party leader. C'est donc Giantic Spider qui est activé. Elle commence par infliger un dégât. Alors, on voit qu'on ne la bouge pas. Hein. C'est pas marqué Advance, donc on ne la bouge pas. Elle inflige un dégât. Ensuite, sa capacité spéciale s'applique. Si l'ennemi est dans les ombres, vous devez engager une action. Donc on doit engager une action, on va engager le Battle Prayers. Et enfin, Retreat. Retreat, c'est elle va dans l'ombre si elle n'y est pas. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il nous reste Odius Grump, qui donc inflige 2 dégâts. Donc là, ça devient un peu critique chez notre nain. Là. Et qui reste engagé avec lui, puisque c'est celui qui a le plus de blessures. On passe à la phase de lieu. La phase de lieu nous dit qu'on a le droit de piocher une carte d'équipement, et si on le fait, on fait apparaître un ennemi. À ce stade, je vais le faire, puisque le party leader c'est lui et il est tout seul, et l'ennemi va apparaître contre lui. Donc je fais apparaître un ennemi, et c'est une nouvelle araignée géante qui arrive sur lui. Mais derrière cette araignée, le prêtre guerrier trouve un objet. Et il trouve le médaillon de mort. En fait, c'est une sorte de sauvegarde. Donc, on peut, c'est à usage unique. Deplete, c'est pas défausser, mais presque. Enfin, c'est la rendre. On la met face cachée, quoi. Et du coup, c'est si notre héros meurt, il n'est en fait pas mort et il récupère 3 blessures. Bon, ok. J'aurais bien aimé autre chose, mais c'est pas grave. Phase de lieu terminée. Némésis, avant-dernière case de la Némésis. Il n'y a pas d'effet particulier. Et on passe au tour suivant. Alors, le tour suivant, c'est Ironbreaker qui prend la main. Et là, il va vraiment falloir qu'il se régénère. Sauf que pour se régénérer, il a besoin de ses actions. Et il n'a plus d'action disponible. Il est donc obligé de faire de l'aide. Donc, il jette un dé. Avant cette action, il peut engager un ennemi qui est contre l'allié qu'il va aider. Donc, on engage cet ennemi-là. Ensuite, on jette un dé d'aide et un dé noir, puisqu'il y a un ennemi en face. Et là, on n'a vraiment pas de chance. Il y a l'effet Némésis qui se déclenche. L'effet Némésis, c'est distribuer 2 blessures sur les héros, au choix. Donc, on va mettre 2 blessures sur Warrior Priest. Il n'y a pas trop d'hésitation. Par contre, on a eu un succès critique. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on marque le succès et on rejette. Et un bouclier. Bon. Le succès qui est là est donc assigné à notre allié et on va lui mettre sur l'exploration. Allez. Voilà, et maintenant on peut donc dégager toutes les cartes du nain et c'est au prêtre guerrier de jouer. Première action du prêtre guerrier. Bah lui c'est simple, il va attaquer. D'ailleurs ça c'est comme ça, il engage son attaque. Il engage également son aide pour utiliser sa compétence de pouvoir cibler 2 ennemis et d'avoir un bonus. Il engage Odius Grump.
cet ennemi-là est engagé, donc il ne jettera qu'un seul dé. Il dépense son point de bonus ici, il jette 2 dés, plus un dé noir. Le Odious Grump n'arrive pas à toucher, et on fait donc 3 succès, on bat Odious Grump. Sauf que j'ai 3 dégâts à assigner. Odious Grump a 5 blessures, donc pour 2 dégâts, il est mort, entre guillemets, puisqu'il n'est jamais mort dans cette quête, ce qui est d'ailleurs assez pénible, comme vous pouvez le remarquer. Donc pour 2 dégâts, on l'a battu, il nous reste donc 1 dégât à assigner, qu'on assigne ici. Et on ne prend pas de dégâts, puisque c'était un des blancs, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, on a fini la phase des héros, on passe à la phase des ennemis. La bonne nouvelle, c'est que les ennemis sont engagés. Et je pense que j'ai fait un oubli, parce que là j'ai un Gigantic Spider qui est engagé, il ne devrait pas l'être. C'est un oubli du tour précédent. Du coup, c'est avec Ironbreaker qu'il s'active, et il prend une blessure supplémentaire. Puis il doit engager une action, il va engager son attaque. Voilà, il engage son attaque. Phase des ennemis est terminée. Phase de lieu, on ne peut rien faire, on est à 5 et il faut 8. Phase de Némésis, et on arrive en Némésis rouge. Ça va pas être simple. Le gobelin s'avance devant vous une fois de plus, brandissant sa lame dans toutes les directions. Alors on invoque Odious Grump. Et s'il est déjà en jeu, il récupère toutes ses blessures, ok. Et quoi qu'il arrive, il s'active, et redevient disponible, puis il s'active à nouveau. Donc il s'active 2 fois. Donc en fait, il va infliger 4 blessures au party leader. Le party leader, il commence à souffrir, le nain, là. On va compter un peu, quand même. Hein. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 fois 3, 15. 15 plus 1, 16. Il prend donc 4 blessures. Il est donc à 20 blessures. Il est quasiment mort. Il est à 6 points de vie. Ok. Donc ça, c'est la fin du tour. Et on passe au tour suivant. Alors, tour suivant. Il n'y a pas le choix. Le prêtre utilise son Battle Prayer pour rendre ses actions disponibles. Il exauce donc un non-némésis ennemi qui est engagé contre lui. Donc ça, déjà, il peut le faire. Gigantic Spider est engagé. Ensuite, il se régénère d'un dé. Donc on ne jette pas de dé noir puisque l'ennemi en face est engagé. Une blessure. Donc il récupère une blessure. Il choisit un héros. Ce héros est empowered et il rend disponible toutes ses actions. Ensuite, première action du nain. Je crois qu'on voit la pile de blessures, il n'y a pas trop de doute. Sauf qu'il a Némésis en face, mais bon. Il est empowered, eh bien, il se régénère. Il se régénère, il n'engage donc pas la carte puisqu'il est empowered, et il a plus un bouclier et plus un succès. Le nain, il a deux boucliers. Il a deux boucliers quand il se régénère par défaut. Donc on jette deux dés blancs et un dé noir pour la régénération du nain. Alors ça, c'est plutôt très bon signe. Deux succès critiques dans la régénération, on les marque d'emblée. Et on les rejette. Ok, donc on a fait 5 réussites. On a l'empowered, donc on a fait 6 réussites. Et on a 2 boucliers, puisqu'on est empowered. Plus ce bouclier, plus ici 2 boucliers, on a 4 boucliers. Donc les 2 blessures qui sont là sont ignorées. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on régénère donc 1, 3, 4, 5, plus empowered, 6 blessures. Voilà, on a récupéré quand même 6 points de vie en un coup. C'est plutôt un très bon score, hein. C'est assez rare. Donc on va recompter, on est à 9, on est à 10. Ça va être une pile de 10. En fait, je vais faire des piles que quand ça fait 10. Sinon, ça va être trop dur de se souvenir. Et donc là, on est à 14 blessures. Voilà, on est à 14 blessures. On est empowered, donc on n'a pas engagé la carte. Deuxième action du Warrior Priest. Alors, là, il faut bien voir que Odious Grump, il va revenir à tous les tours, il va se régénérer à tous les tours. Et il va s'activer à tous les tours 2 fois, donc là il faut qu'on explore à fond. Il faut qu'on explore à fond. Donc on explore à fond. On explore, on fait 2 dés ici, bonus, plus 2 dés blancs et pas de dés noirs vu qu'il est engagé.
On fait un succès critique, donc c'est un troisième. Un autre succès critique, ça c'est excellent. Oh là là, là je crois qu'on est en train de tout brûler. Niveau exploration. Bon bah là c'est le carton plein. On a 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'avais jamais fait un score comme ça à ce jeu encore. 8 points. Bon bah en un coup là il aurait pu explorer tout. Là c'est bon. Bon allez, on va mettre. On va faire ça, on va en mettre 9 et en enlever 1. Voilà. Donc ça c'est fait. On pioche une carte donjon. Alors, Grove of Thrones. Alors on n'a pas le choix. On soigne 3 blessures, mais on devient. On saigne. Alors on est bleeding. Donc bleeding, c'est une condition qui fait que après notre activation, on prend une blessure. Et si un autre héros nous aide, on discarde la carte. Par contre, on a régénéré 3 blessures. On passe donc à la deuxième action du nain. Eh bien, le nain, l'exploration est terminée. Je pense qu'il va se régénérer encore une fois. Cette fois-ci, il n'est pas unpowered, donc on engage la carte. Il prend donc 2 dés, on rejette un dé noir, puisqu'il y a toujours un ennemi en face. Le dé noir, c'est donc une blessure, mais il a toujours 2 boucliers quand il se régénère, donc elle est ignorée. Et il fait 4 succès, excellent. Donc 4 succès, et voilà, on enlève 4 blessures, il est revenu à 10 blessures. Il est donc à 16 points de vie. C'est plutôt bien, il a réussi à gagner 10 points de vie quand même en 2 tours. On a fini la phase des héros, on passe à la phase des ennemis. On commence par le party leader. Cet ennemi est engagé, il ne peut donc rien faire. C'est donc Gigantic Spider qui s'active, qui inflige un dégât. Et qui nous fait nous engager une carte. On va engager la régénération. On ne peut pas... Je pense qu'on va engager l'attaque. En fait, je pense que j'ai perdu un peu trop de temps à attaquer, j'aurais dû explorer plus. C'est pas grave. Donc ça, c'est Gigantic Spider. Ensuite, on a Odious Grump, qui inflige donc 2 blessures ici. Et qui reste là. Les ennemis sont terminés. On passe à la phase de lieu. La phase de lieu, on traverse. Alors, il faut savoir que quand on traverse, il y a un effet intéressant, qu'on va voir tout de suite. C'est qu'on enlève tous les ennemis qui sont dans l'ombre. Sauf si c'est des Némésis. On traverse et on arrive donc sur le dernier lieu qui est l'objectif de cette quête, qui est la tanière de Grump. Des barils d'un liquide suintant ont été vidés dans un réservoir ici. C'est sans aucun doute la source de l'empoisonnement de la ville de Champf. Des douzaines de barils sont encore pleins de cette substance, prêts à être déversés dans les eaux. À la fin de la phase des lieux, vous faites apparaître un ennemi. Donc là, ça va être une course aux 10 points d'exploration. Il va falloir survivre pour réussir à obtenir 10 points. Ça va être assez difficile. Ensuite, on est dans la phase Némésis. La phase Némésis est déjà à son point le plus haut. Il s'active donc à nouveau. Ce qui veut dire que Grump régénère toutes ses blessures s'il en a. Comme quoi, ça sert vraiment à rien de le buter. Et il s'active 2 fois. Alors il s'active 2 fois, c'est donc 4 points qu'on inflige ici. On a donc 2 points là, on le transforme en 6 en retournant les pions, et on est donc à 16 blessures. Il nous reste donc 10 points. Voilà pour la fin de ce tour. On passe au tour suivant. Alors là maintenant, bah, c'est simple. Hein. Il va falloir faire 10 points d'exploration et on a gagné la quête. Et il faut essayer de ne pas mourir. Alors, pour le Warrior Priest, on n'est pas inquiet. Hein, il n'a que 4 blessures, il a donc 21 points de vie. Par contre, pour le nain, c'est chaud. Donc en gros, la stratégie maintenant, elle va être simple. Je vais me focaliser sur régénérer le nain et explorer avec le Warrior Priest. En fonction de ce qui est disponible, bien sûr. Donc c'est le nain qui a la main. Donc j'explore avec le nain. Donc 2 dés et un dé noir en face de moi. Voilà, je prends 2 points de vie. En moins encore, ça va quand même être chaud. Hein. Peut-être fait une connerie, hein, on verra. Et j'ai 3 succès. Donc c'est déjà ça. Plus que 7. Premier tour du prêtre guerrier. Il est bleeding. Ah oui, il faut que je l'aide en plus. Oh là là, ça devient la cata. Donc il faut que je l'aide, sinon il va prendre une blessure. Il fait donc de l'aide sur son pote. Il jette donc 2 dés plus un dé noir, puisqu'il y a un ennemi en face.
C'est bon, l'ennemi ne fait rien et il fait 2 succès, donc il donne 2 succès à son ami qu'on ne va pas hésiter, qu'on va mettre sur sa régénération. Ensuite, l'ennemi ciblé peut rendre une action disponible, donc là on va pas hésiter non plus, c'est la régénération. Et enfin, vous et votre ennemi récupérez un point de vie. Donc on enlève une blessure d'ici et on enlève une blessure de là. Comme on est bleeding, après notre activation, on prend une blessure, donc on remet une blessure là. Voilà pour la première action du Warrior Priest, on passe à la deuxième action du nain, et comme vous vous en doutez, je le régénère, je dépense les 2 points bonus que je viens d'avoir, et je jette 2 dés plus 1 dé noir, sachant que j'ai 2 boucliers par défaut avec le nain. Et je retiens évidemment le Mésis, donc je dois distribuer 2 blessures, que je distribue bien sûr ici. Les boucliers ne font rien contre le Némésis, hein, bien évidemment. Et j'ai obtenu 2 boucliers, ce qui ne me sert absolument à rien. Mais j'ai au moins mes 2 points de bonus qui sont là, qui me font donc récupérer 2 blessures. Deuxième tour du Warrior Priest, il se régénère, ses actions. Donc on exhauste un ennemi, on se régénère d'un dé. Un succès, donc ici c'est un 2 et c'est pas un 3. Et on choisit un héros et il devient empowered et on rend disponible toutes nos actions. Eh bien le empowered, ça sera le nain pour sa régénération au tour suivant. Face des ennemis, Odious Grump inflige 2 dégâts. On est donc à 16 blessures à nouveau ici, il ne reste plus donc 10 points de vie chez lui. Odious Grump reste là. Et ensuite, j'avais oublié de l'enlever. Elle, on l'enlève. On l'enlève, puisqu'on avait traversé tout à l'heure la zone. Il n'y a donc plus d'ennemis. La zone des ennemis, la phase des ennemis est terminée. On les rend disponibles et on arrive dans la phase de lieu. Et lui, il reprend une blessure, puisqu'il s'est activé une deuxième fois. J'avais oublié. Donc ça, c'est un 3. Phase des ennemis terminée, phase des lieux. On spawn à la fin un ennemi. Il arrive donc contre le party leader et c'est des chauves-souris géantes à nouveau qui arrivent là. Phase de Némésis. Odious Grump s'active 2 fois, donc on prend 4 points. On est donc à 16. On prend donc 2 points ici, plus 2 points. Donc on est à 21 points, il ne reste plus que 5 points de vie, le nain est quasiment mort. C'est tendu, et il me reste 7 points d'exploration à faire, il va vraiment falloir que je réussisse à explorer. Nouveau tour, on commence par le prêtre guerrier. Alors le prêtre guerrier, ben, il va explorer, c'est parti, on jette 2 dés et 1 dé noir. Super, donc... Ça bloque les dégâts, mais il ne se passe rien. Action du nain, pas d'hésitation possible, il n'y a qu'un seul choix possible. Il fait l'aide, on jette donc 2 dés noirs et 1 dé blanc. Némésis, 2 blessures qui arrivent sur le prêtre guerrier, on ne va pas les mettre sur le nain. Plus une blessure sur le plus grand, donc c'est 2. Donc on prend 2, donc on est à 23, il ne reste plus que 3 points de vie. Je pense qu'on a bientôt perdu le nain, là. Il a quand même fait un succès, donc ça donne un succès d'aide qu'on va mettre sur l'exploration ici. Et on rend disponible toutes les actions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un autre effet, c'est qu'on peut rendre disponible une carte chez l'ami. Deuxième et dernière action ici, on explore et on dépense le point à nouveau avec un dé noir et 2 dés blancs. On obtient un succès ici, un bouclier qui le contre puisqu'il n'y a qu'un dégât, 2 et un 3, on remet 3 points ici, on est donc à 6, il nous manque 4 points d'exploration là-bas. Alors là, est-ce que je tente le coup? Là, je peux tenter le coup, je pense que je vais le faire. Alors je sais pas ce qui se passe si mon héros meurt pour la quête suivante, mais bon. Il était empowered hein, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait comme action juste avant? J'ai fait de l'aide juste avant, donc j'avais un bonus de 1, donc j'ai un autre bonus à donner, et je vais le donner aussi ici. Donc il n'est plus empowered maintenant, et d'ailleurs, il a été aidé, donc l'autre n'est plus bleeding, c'était la condition pour qu'il ne soit plus bleeding.
Alors là, l'hésitation, il me reste plus que 3 points de vie, mais j'avais envie d'explorer. Sauf que si je foire, je peux me prendre 3 points dans la tête et donc mourir. Et j'ai pas trop envie qu'il meure, j'ai bien envie de tenter de gagner sans qu'il meure, donc je vais tenter de le régénérer. Hein. On va plutôt faire ça, c'est plus sage quand même. Donc je jette 2 dés blancs, plus 2 dés noirs, sachant que j'ai 2 boucliers par défaut, ici. Voilà, donc on a 3 touches qui se font. Heureusement, j'ai 2 boucliers, donc ça annule les dégâts de celui-là. J'ai quand même un dégât qui est infligé. Donc je suis à 24, il me reste plus que 2 points et je régénère 3 points. Je régénère 3 points, donc je gagne un petit peu de temps, mais je pense que ça va pas suffire puisque tour prochain, je suis mort. Voilà, phase des ennemis. Phase des ennemis, eh bien, on commence par le party leader. La Gigantic Spider attaque et elle inflige un dégât. Il y a donc 3 dégâts ici. Ensuite, on arrive là. Ici, on a Odious Grump qui inflige 2 dégâts. On est donc à 23 au lieu de 21. Puis, celui-ci attaque et c'est écrit Retreat et Inflict. Donc il se recule et il inflige un dégât. Donc on est à 24 dégâts. Il lui reste plus que 2 points de vie. En fait, il est mort puisque à la phase Némésis, on va se prendre 2 activations de 12 20. Voilà, la phase de lieu, on ne peut rien faire puisqu'on n'a que 6 points et il en faut 10 pour gagner le jeu. Phase Némésis, il y a 4 points d'attaque. Donc déjà, alors on va faire les choses bien, on est à 24. Il s'active, il inflige donc 2 dégâts, donc ce héros est mort. Bah là, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Vu que son héros est mort, c'est marqué Inflict. Bah, Inflict, mais il est engagé contre plus personne. Et Prey, bah, je pense que c'est ça ce qui se passe. Il s'engage contre le nouveau héros qui est là. Alors un nouveau tour commence. Donc on est tout seul avec le prêtre guerrier. Notre ami est mort sous nos yeux. On va quand même essayer de terminer cette quête en la gagnant. Et puis on verra bien ce qui se passe pour la suite. Et donc là, en gros, c'est simple, hein. J'ai 2 actions, il faut que je réussisse à faire 4 points d'exploration. Sauf que ma carte d'exploration est engagée, comme on peut le voir ici. Donc j'ai pas trop le choix, je suis obligé de me régénérer d'abord, puis ensuite refaire une exploration et enchaîner comme ça. En plus, j'ai le médaillon qui au final n'est pas de refus, hein. Donc bah, on commence par la régénération. Voilà, j'ai le droit d'engager un ennemi en plus qui n'est pas Némésis. Voilà, donc on ne s'en prive pas. Et on jette donc un dé plus un dé noir. On obtient 2 succès. On régénère donc 2 blessures. On ne va pas s'en priver. Et on peut choisir un héros et ce héros est Empowered. Et bien on va être Empowered de nous-mêmes. On va être Empowered nous-mêmes pour notre deuxième action. Notre deuxième action. Du coup, ça régénère toutes nos cartes, hein, bien sûr, c'était le but. Et notre deuxième action, c'est bien évidemment le Path of Redemption. Donc, le Path of Redemption, on dépense le bonus, on prend 2 dés et on prend un dé noir car il y a un ennemi engagé contre nous. Ça sent très bon pour la fin de la quête. Il y a quand même une touche de Odious Grump. On va donc prendre 2 points dans la tête. On marque les 2 critiques par 2 pions et on les rejette. Ouais, ça c'est gagné. Là, je pense que d'avoir vu son pote mourir sous ses yeux, ça l'a incité à prendre ses jambes à son cou. Et il est parti en avant et il explore un peu comme un malade. Donc, on a un bouclier quand même, donc on n'a pas pris de dégâts. Mais par contre, on a fait 7 points d'exploration. Et donc, on va pouvoir réussir à finir cette quête. On est à 13 sur 10. Là-haut, hein. Si on regarde, on est à 13 sur 10 ici. Donc ça marque la fin du tour. Bon, en plus, j'étais empowered. Bon, j'étais empowered, j'ai oublié le truc. C'est pas grave, ça va pas changer grand-chose. On a fini la phase des héros, on fait quand même la phase des ennemis, hein, avant d'arriver à la phase des lieux là-bas. La phase des ennemis, eh bien, c'est tout simple. Les ennemis non engagés s'activent. On commence par lui, il nous inflige donc 2 dégâts. Et ensuite, il y a Giant Bat,
Et Giant Bat, il fait quoi? Il se retire dans les ombres. Et il inflige un dégât. Voilà, les ennemis sont terminés. On arrive à la phase des lieux. La phase des lieux, on la traverse. On dépense donc les 10 points. Et du coup, on prend la carte de la quête. Et on lit la condition de victoire. Lors de la phase de lieu, si le lieu Grump Sump est totalement exploré, ce qui est le cas puisqu'on vient de dépenser 13 points et il en fallait 10, vous avez gagné et vous exécutez ce qui se passe sur la condition de récompense sur le verso de cette quête. Alors avant de le faire, un petit bilan de partie. Donc là, on vient de terminer la première quête du jeu. On voit quand même que quand on respecte les règles, c'est-à-dire qu'on jette ces fameux dés noirs systématiquement à chaque action et qu'on exécute les effets Némésis systématiquement quand la carte Némésis est présente, ce qui veut dire tout le temps, c'est quand même beaucoup plus dur que sur les tout premiers tours où j'avais oublié ces détails. D'ailleurs, pour tout vous dire, les parties que j'ai fait avant de filmer, parce que j'avais fait quand même quelques parties avant de commencer à tourner ces vidéos, j'avais bien évidemment aussi, je n'avais pas cette règle en tête, et j'avais trouvé le jeu assez facile, j'étais arrivé à la quête numéro 3 sans aucun problème dès le début du jeu. J'étais un peu surpris parce que j'avais lu dans les règles qu'il ne fallait pas s'inquiéter de la difficulté du jeu, et que c'était très régulier de perdre les premières quêtes. Et ça, personnellement, ça me plaît, parce que j'aime les jeux qui sont un peu difficiles, où il y a un peu de défi. Là, je comprends beaucoup mieux. Effectivement, cette quête numéro 1 qui est censée être simple... elle n'est pas si simple. Et là, avec le recul, en y repensant, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas assez exploré. J'aurais dû explorer beaucoup plus. Je me suis fait un petit peu hypnotiser par les attaques. J'avais envie de tout nettoyer tout le temps. C'était une erreur. J'aurais dû encaisser un peu mieux les dégâts et explorer plus vite. Bon, j'ai quand même gagné la quête, c'est quand même ça, mais au prix d'un héros qui est mort. Alors, il faudra que je lise les règles pour voir quand on joue la campagne, qu'est-ce qui se passe quand un héros meurt. Je lirai ça juste après, et pour les prochaines vidéos, ce sera intéressant. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe, le petit épilogue. On a réussi à gagner cette quête. Alors, que se passe-t-il? En poussant d'horribles cris, le gobelin s'enfuit dans les ténèbres. Vous essayez de poursuivre, mais rapidement, il disparaît complètement hors de notre vue. Réussir à nettoyer tous les dégâts ne sera pas une tâche facile, mais vous avez au moins réussi à sécuriser les derniers barils. Ça prendra plusieurs jours, certainement. Mais la ville de Schompf pourra retrouver une eau pure d'ici peu. Alors, vous ajoutez Odious Grump et une carte Fortune légendaire dans le pool de campagne. Alors, ça va me permettre de vous expliquer un peu tout ça. Quand on joue les campagnes, c'est-à-dire qu'on joue les quêtes les unes à la suite des autres, il y a ce qu'on appelle le Campaign Pool, ou la pile de campagne. Et ce sont des cartes qui voyagent d'une quête à une autre. Donc là, en gros... on ajoute Odious Grump dans la pile de campagne, ça veut dire que pour la quête prochaine, il sera présent dans les cartes d'ennemis, donc il pourra réapparaître. Ça, c'est une chose. Et comme on a gagné la quête, on a le droit de mettre une carte légendaire, donc Legendary Fortune, donc c'est ces cartes-là. On la mettra dans les cartes d'équipement. Et si jamais on pioche cette carte, eh bien, on aura un objet légendaire pour le héros qui l'aura pioché. Si on avait perdu la quête, on aurait pu continuer la campagne, mais on n'aurait pas eu de carte Legendary Fortune. C'est ça la différence. Voilà pour la fin de cette première quête. À voir pour la suite ce qui va se passer sur la quête numéro 2. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a permis, en tout cas à moi, de bien peaufiner les règles. Maintenant, j'ai bien toutes les règles en tête, avec toutes les petites subtilités. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'est fini pour la première quête. Comme vous vous en êtes rendu compte, hein, c'était une de mes premières parties, donc il y a eu beaucoup d'erreurs, hein, on l'a vu au fil des vidéos, j'ai essayé de corriger ça au fur et à mesure des progressions. C'est un jeu vraiment sympa, Warhammer Quest, et qui est finalement assez subtil dans ses règles, bien plus subtil qu'il n'y paraît lorsqu'on joue les premières parties. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté chacune des vidéos. Vos encouragements étaient vraiment très sympas et m'ont aidé à garder le rythme semaine après semaine. C'était vraiment sympa de faire cette première quête comme ça, avec comme target une publication chaque samedi.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer, je ne sais pas quand je ferai le tournage de la quête numéro 2, mais je vais la faire. Et puis j'espère que je ferai moins d'erreurs et que ces vidéos m'ont permis aussi de mieux assimiler les règles et leur subtilité. Et avec un petit peu de chance, la quête numéro 2 contiendra beaucoup moins d'erreurs et sera donc probablement plus difficile. Si on regarde un petit peu rétrospectivement la quête et justement la difficulté du jeu malgré les erreurs, en fait, on voit que j'ai aussi fait des erreurs parfois qui m'ont pénalisé. Je pense notamment dans la vidéo que vous venez de voir, à un moment où j'oublie carrément la deuxième action des deux personnages. Ça, je pense que ça a quand même pas mal pénalisé les héros. Mais malgré tout, voilà, c'était quand même très sympa à faire. Alors concernant le fait que le nain est mort, en fait, il n'est pas mort, hein, j'ai bien relu les règles, il est battu. Donc en fait, les héros ne meurent jamais dans ce jeu, ils sont battus. Et si on joue une campagne, on peut tout à fait continuer de les garder pour le tour prochain. En fait, normalement, je n'aurais pas dû enlever la carte, j'aurais dû la mettre face cachée, la carte de Ironbreaker. Et tous les effets qui ciblent les héros auraient ignoré Ironbreaker. Donc en gros, ça ne change rien à ce que j'ai fait, si ce n'est que la carte aurait dû rester présente. Et dans l'historique du jeu, dans l'histoire, dans le background, Ironbreaker en fait perd connaissance. Il est battu, et au terme de la quête, eh bien finalement, il va reprendre connaissance, il va pouvoir se régénérer, son ami va pouvoir l'aider, et il pourra recommencer la quête suivante avec tous ses points de vie, comme s'il n'avait pas été battu à la quête précédente. Voilà, donc lors de la prochaine vidéo, il y aura une petite séquence d'intro où en fait on fera la phase intermédiaire entre deux quêtes quand on joue une campagne. On peut gagner un peu d'expérience et upgrader un peu les héros, et je vous montrerai ça juste avant de démarrer la première vidéo de la quête numéro 2. D'ici là, je vous dis à bientôt, jouez bien et amusez-vous bien. Et merci encore pour votre soutien à tous. À plus.